Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Urbaine. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner, activer la cloche et ne manquez plus nos prochaines vidéos. Vous pouvez également vous abonner sur notre chaîne pour le faire. Cliquez sur Nuance Urbaine, allez sur la page d'accueil. Abonnez-vous sur Nuance Urbaine de Nuance Urbaine 3 et Nuance TV. Ne manquez pas de cliquer sur la cloche pour les activer à chaque fois, c'est très important. Mes frères et sœurs, ce qui se passe dans le monde est vraiment terrible. Même avec ce qui a frappé notre pays ces temps-ci, ça nous amène même à chercher Jésus, chercher Dieu et à revoir nos habitudes, nos comportements, même notre manière de s'habiller. Regardez ce que les gens font dans le monde. Regardez les grands super, super, regardez. On commence par vous. C'est par où? Par où est-ce qu'on commence? C'est à vous de choisir. Regardez déjà ici, ici, ici. Qu'est-ce que vous avez le plus marqué par cette image qu'elle a? Sans doute vous me direz, ah, ces gens ont de l'argent, ils ont beaucoup d'argent, au point où ils exposent cela. Et puis ce sont des filles, hein? Ah, elles ont de l'argent. Et elles nous montrent qu'elles ont de l'argent. Elles ont de vrais billets, des billets de banque. C'est ça la vie, la belle vie. Maintenant, regardez de l'autre côté là-bas. Voilà, on voit de jolies filles. Regardez comment elles sont jolies. En même temps, la manière dont elles sont habillées là, c'est ce qu'on appelle chez nous être habillé de façon sexy. Vous voyez celle-même qui est à côté là. On voit même que sa poitrine. On voit pratiquement presque les seins. Presque les seins. Moi-même, je me demande comment font-elles s'asseoir. C'est pourquoi même quand les filles s'asseyent, quand elles s'habillent comme ça, elles sont obligées de couler les pieds, le premier pied sur l'autre pied. Parce qu'elles-mêmes, elles sont conscientes qu'elles sont mal habillées. Aujourd'hui, quand on s'habille de façon sexy, je vais vous dire, devant le diable, même devant Dieu, même devant les démons, toutes les personnes qui s'habillent de façon sexy sont nues. Nues. Le diable ne peut pas venir vous dire déshabillez-vous. Donc il va passer par d'autres moyens. Et le moyen le plus simple qu'il a pu utiliser, il a utilisé, ce sont les vêtements sexy. Regardez comment certaines femmes portent les collants. Les collants. Et elles sortent. Ah! Si elle a une forme, elle a une forme imposante. Ce jour-là, tout le quartier va trembler. Parce qu'il y a quelque chose qui est derrière qui est en train de remuer. Toi, mon frère, si tu vois ça, si elle t'avait de te traverser, ne regarde pas derrière encore. Ne regarde pas derrière pour chercher à savoir ce qui vient de te passer. Laisse ça passer. Même ferme tes yeux. Parce que rien qu'en la regardant, tu risques de pécher dans ta tête. Ça, c'est réel. Ça veut dire que toutes les personnes qui s'habillent de façon sexy poussent beaucoup de personnes à pécher sans le savoir. Et ça, c'est mauvais. Ici, nous allons rencontrer une fille. Une femme qui vivait dans ces choses-là. Dans le monde de la belle vie. L'argent. Elle va tout nous dire si ce qu'elle-même elle faisait. Comment elle séduisait les gens. Comment elle faisait les trucs. Comment elle mettait les faux hommes. Elle s'habillait comme ceci. Mes frères et sœurs, elle va tout nous dire. Mais ce qui va se passer après, là, qui va même l'amener à changer, là, ça va même vous étonner. Si vous pensez que Dieu ne peut pas ressusciter quelqu'un, aïe, 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 vous serez même surpris par ce que vous allez entendre ici. C'est un truc qui fait vraiment peur. Quand j'entends ce témoignage, je me dis, même si c'est pour m'enfermer dans mon placard, et attendre que Jésus-Christ revienne, je vais le faire. Mais comme je ne peux pas le faire, je vais faire attention à mes fréquentations. Parce que si vous avez de mauvaises fréquentations, il risque de vous induire en erreur sur le mauvais chemin. Avant d'être ce témoin puissant, mes frères et sœurs, je pense qu'il est très important qu'on prie ensemble et qu'on demande à Dieu de nous aider, de nous donner de sa force, même de nous donner son esprit de discernement pour savoir si ce témoignage-ci est vrai ou pas. Tranquille. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, que vous êtes chaud. C'est parti. Les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ.
S'il te plaît, viens nous parler aujourd'hui. Viens nous révéler les vraies choses qui vont nous sauver la vie, qui vont nous épargner d'une mort soudaine, une mort que le diable lui-même pose sur nos chemins. Délivre-nous des pièges du diable, délivre-nous des pièges de nos ennemis. Que toi-même tu fasses en sorte que notre famille se porte à merveille et que nous ayons tous longue vie. Si tu veux que nous soyons prospères, que la prospérité soit chez nous. Sans effort, que ce soit toi-même, Seigneur, qui nous donne, de sorte que nous puissions te glorifier. Seigneur Jésus-Christ, viens nous pardonner aussi nos péchés, nul n'est pas fait. Que ton sang précieux coule encore sur notre vie et nous sépare de toutes les alliances que nous avons faites avec les démons sans le savoir. Même toutes les alliances que quelqu'un de nos familles est allé faire sous notre dos sans que nous-mêmes on se rende compte. Aujourd'hui même, au nom de Jésus-Christ, que toutes ces alliances et ces autels que le diable a bâti dans notre famille, dans notre vie, tombe aujourd'hui au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous voulons la vie, nous voulons la vie. Toutes les sacrifices, tous les sacrifices, tous les morts que le diable a prévus pour la fin de l'année, même à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année, que cela soit annulé dans notre vie. Nous détruisons tous les plans de Satan et ses démons dans notre vie. Que ta main, ta puissance descende sur tous les abonnés, sur tout le monde ici, Seigneur. Nous te cherchons, c'est pourquoi nous sommes là. C'est pas un hasard si nous sommes là, Seigneur. Laisse-toi trouver par nous, nous te cherchons. De tout nos cœurs, de toutes nos forces, de tout. Les jeunes meurent. Oh, ils sont forts. Tout le monde peut mourir aujourd'hui si le monde fait peur. La mort frappe n'importe où. Le diable attire les gens pour les prendre les âmes, pour les acheter les âmes. Seigneur mon Dieu, ne nous laisse pas dans le péché. Ne nous induis pas en erreur, dans le problème, dans le malheur, dans les entrailles des démons et même du diable lui-même. Viens et envoie tes anges nous garder toujours et nous tirer d'affaire. Quel que soit le plan du diable contre nous, Seigneur, que contre tous ses abonnés, même toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, que cela échoue. Et que ta main grande, ta main puissante, qui est bonne, nous donne ta bénédiction. Mais de toutes nos entreprises. Amen. Applaudissez mes frères et sœurs. Applaudissez mes frères et sœurs, c'était extraordinaire. Ceci, c'était témoin puissant, ce Nanscribane. Un témoin puissant en série. Et ce que nous allons entendre, c'est pas pour les enfants. Cette vidéo est à partager, à tout le monde. Appelez tout le monde à venir voir. Parce que ce que nous allons entendre ici, c'est pas du jeu. C'est parti. Que Dieu a envoyé Jésus pour qu'il puisse parler au monde. God has been using prophets to tell the people about him. Dieu a utilisé les prophètes pour parler de sa part. And the message I'm going to give you, the testimony is from the Lord Jesus. Et le témoignage que je vais partager avec vous vient du Seigneur Jésus. For you to know that he's still alive and he's still doing his will. Pour que vous compreniez qu'il est encore vivant et il accomplit encore sa volonté. Before I share the testimony with you, avant de partager le témoignage avec vous, I want to tell you brief about my past life. Je veux parler brièvement de ma vie passée. For you to know that the Bible is complete when the Lord said he died for sinners. Pour que vous compreniez que la Bible est vraie lorsqu'elle dit que Dieu est mort, que Jésus est mort pour les pécheurs. For you to know that the Lord really wants me to change and to share this testimony. Pour que vous compreniez que le Seigneur a voulu vraiment que je change afin de partager ce possible témoignage. Maybe you'll be thinking that she is a born again Christian, she has been in the Lord and just 2 years in the Lord. Vous pouvez penser que je suis j'ai été bon enfant de plus très longtemps, mais ça fait seulement 2 ans. My name is Sister Linda Rika. Voilà son nom, Sister Linda. And I acquired this name Rika 1 year now because I married to Pastor Bob Rika 2014 last year. Justement, j'ai eu ce nom il y a seulement 2 jours parce que 2 ans, je me dis, parce que c'est il y a 2 ans que je me suis marié avec le pasteur Rika. We have been hearing about Sister Linda, Sister Linda from Sierra Leone. Il y a un an.
1 year. 1 year now. Yes. 1 year now. We married to Pastor Richard last year. Yeah, mama. If you have been hearing about Sister Linda from Sierra Leone, I'm the Sister Linda. Vous entendez parler de la sœur Linda, Linda de la Sierra Leone, c'est moi. I'm Sister Finger, she's my younger one. Et Sister Finger, c'est Finger. C'est ma petite sœur. I want to tell you that as the Lord was arresting people in the Bible, appear to them, change their life, as he did to Saul and become Paul, Mary Magdalene, this was the same thing that happened to me in 2013. 2013. Je vous dis que la même manière que le Seigneur saisissait les gens, il a fait avec, il avait fait avec Paul, il avait fait avec Marie de Madeleine, la même chose qui m'est arrivée en 2013. I grew up in a Christian home. My father was a Christian, my mother was a Muslim. Je suis grandi dans une famille chrétienne. Mon père était chrétien. My father was a Christian, my mother was a Muslim. Mon père était donc chrétien et ma mère musulmane. But they died young and lived. I have two sisters and one adopted brother. Ils sont morts jeunes, ils nous ont laissés. J'ai deux sœurs et un frère d'adoption, par adoption. Because of the hard life of living, I become the black sheep in the family. Black sheep. Black sheep, like a wild child in the family. Right. À cause de la dureté de la vie, je suis devenu comme l'enfant sauvage de la famille. I was deep in the things of the world, the pleasure of the world. J'étais en profondeur dans les choses du monde, les plaisirs du monde. But still I was going to church. Mais je continuais à aller à l'église. I was doing all I can to survive in this world. Je faisais ce qui était de mon mieux pour survivre dans ce monde. Because I was the one taking care of myself and the younger ones with my elder sister. Parce que je devais m'occuper de moi-même et de mes jeunes frères. So when I entered the college to further my education. Je suis allé au collège pour continuer avec mes études. I was appointed to be a leader among women ladies about 25 of us. J'avais été nommé comme étant dirigeant des femmes environ 25, un groupe de femmes de 25. And because of our wild life, all these fashion things, the nickname of our club in the university, in the college, was Dress to Kill. À cause de notre mauvaise vie, notre vie bizarre, vraiment de méchanceté, on nous avait donné un nom, n'est-ce pas, habillé pour tuer. Because as we dress, we go out, we make sure that men lost after us. Parce qu'on s'appuyait avec un seul objectif, que les hommes nous convoient quand nous sortons. I was deep in the pleasure of the world. J'étais en plein dans les plaisirs mondains. All this clubbing, this party, I was found in it. Tous ces clubs et tous ces groupes-là, je me trouvais, j'étais à l'aise là-dedans. All this naked dressing the Lord Jesus is warning us about, I was in it. Tous ces habits-là qui montrent la nudité, j'étais en plein là-dedans. Les habits qui montrent les formes du corps. All this smoking, drinking alcohol, I was doing it. Je fumais, je buvais. All this fornication, the Lord is warning single ladies, I was doing it. Dans la fornication que le Seigneur interdit aux femmes célibataires, j'étais là-dedans. All this asunder, the Lord is warning young people to put asunder between married people when we are dating married men. Là où le Seigneur disait qu'on devait respecter le mariage, nous on suivait les mariés. All these worldly things, doing all kind of things, putting attachment, tattoo the body, drinking, all this party clubbing thing, I was in power of it. Tout ce qu'on peut faire de mal, le tatouage, les clubs, j'étais là-dedans. But I was still a senior sister in the choir. Pourtant, j'étais la responsable, la chorale. And I've never had my pastor those days preach about holiness. Je n'avais jamais entendu mon pasteur prêcher sur la sainteté. All the preaching in the church I used to attend was prosperity. Yeah. Tout ce que j'entendais dans l'église là où j'étais, c'était le message de la prospérité. They will tell us it doesn't matter the way we dress if the heart does not know. On nous disait que, n'est-ce pas, peu importe comment vous vivez, la foi c'est dans le cœur. But by the grace of God, my younger sister came in contact with a church called Watchman Catholic. Catholic church. Watchman, charismatic. Watchman. Okay. Ma soeur est en train de contacter avec une église catholique de branche charismatique qu'on appelait Watchman. And then that was the time my younger sister and I opened to the true doctrine of God. Et alors donc sa pensée a commencé à être ouverte sur la doctrine, la doctrine de Dieu. I can remember one day my sister came back from a service like this and she was crying. Un jour elle est rentrée d'un culte et elle pleurait. And she was talking to us, me and my elder sister and the other family members. Et elle s'adressait, parlait à nous et d'autres membres de famille. That we are going to hell. Que nous allons aller en enfer. So me, I'm a person that I don't believe.
Moi, je ne crois pas facilement, je ne crois pas. So when she was telling me that Lisa, your dressing has condemned you to hell. Ce qu'elle disait, ton habillement te conduit en enfer. I know you love God because you see the way I'm serious in the things of God. Les conseils, les pastors aussi, us that we are the vibrant youth in the church. Je sais que tu aimes Dieu parce que quand on va des campagnes ou autre chose, des activités à l'église, nous sommes là-dedans. You will see the way I will sell things to go and sow seed in the church. You will see the way, my sister will see the way I will sell property for God and sow seed in the church, like building up. Elle voyait voir justement comment je devais vendre les choses et aller semer à l'église, la doctrine de la semence. Elle voyait comment je faisais ce genre de choses. So my younger sister was telling me that all this, your efforts you are doing to the church will go in vain. Et ma soeur me disait que tout ce que tu fais à l'église, c'est en vain que tu le fais. So when she started condemning my dressing, my trousers, my wig, all these things because I was bleaching my skin as if I'm a white person. Elle a commencé à condamner tout ce que je faisais parce que je me décapais. Je ressemblais à une blanche, ma peau avait changé. So my younger sister was telling me this your life will carry to hell. Et elle me disait que cette vie là-bas te conduit en enfer. But I was looking to my pastor wife, I was looking to my pastor because the pastor do signs and wonders, deliverance. He said the Lord says. So I was telling my younger sister, if you say this thing is condemned, why my pastor that is hearing the voice of God did not want us in the church? Et moi je regardais mon pasteur, je voyais comment sa femme s'habillait. Il disait à Benissan, si tu dis que nous allons aller en enfer, comment se fait-il que mon pasteur fait des miracles, il accomplit des prodiges, il délivre les gens? And when you look around, you see the great men and pastors today in the gospel, in the Christian race. You see them, they do signs and wonders, they are the father of Christianity today. All of them, they dress like this, put on chain, put on ring, put on ring, their wife dress this kind of way. Why God is not telling them it's only you and your pastor? I do not believe. Well, quand vous regardez les chrétiens aujourd'hui, vous voyez les pasteurs, ils ont les chaînes, ils ont les chevaliers, ils ont tout genre de bijoux. Alors, quand ils font des miracles, ils font des genres de choses. Toi, tu me dis que ceux-là ne sont pas les secteurs de Dieu, seulement ton pasteur, je ne te crois pas. Those days, I don't proud of anything natural of my body. À l'époque-là, je n'avais rien de naturel sur mon corps. You see my eye, I put eyelash. Au niveau de mes yeux, je mettais les faux cils. You see my nails, I put false nails. Au niveau de mes doigts, je mettais les faux ongles, les ongles des Chinois. Sur la tête, j'avais les cheveux des Chinois. I always dress, always my breast is out. That's why I tattoo my back, my hands, so that they will be showing outside. Et quand je m'habillais, c'était les décolletés plongés, tous les seins étaient dehors. Et c'est pour ça que je mettais le tatouage pour qu'on puisse voir ma peau. And even this thing you are saying today, this is tattoo. Some of you maybe you think it's I pense this is tattoo. Ce que vous voyez là au niveau de mes sourcils, là, vous pouvez penser que c'est la peinture. En fait, c'est le tatouage qui est resté. Ce que vous voyez là aujourd'hui. I don't like wearing skirts. Je n'aime pas porter les jupes. I just thought that dressing like this is the old woman, is the old fashion. Parce que moi, je pensais que celles qui s'habillent en jupe, elles sont démodées, les vieilles femmes. And no man will see that get attracted to it. Et tu vas attirer qui quand je t'habille comme ça, quel homme est-ce que tu vas attirer? So I was rejecting the doctrine and the message of my younger sister. Alors j'étais le message de ma jeune sœur, de son pasteur. For years, my sister has been fasting and praying that God. Et ma sœur a jeûné et prié pour moi pendant des années. Because in my family I was really wild. We have other ones that don't believe, but me I was running. Parce que dans ma famille j'étais véritablement sauvage. Il y a beaucoup de païens dans ma famille, mais moi j'étais très sauvage. So on one day. Un jour. I was with my friend. J'étais avec mon ami. 2013 February. 2013. My younger brother called me. Mon jeune frère m'a appelé that one of our neighbors have died. Que un de nos voisins est mort. A man that used to live closer to us. Celui qui était notre proche voisin. And this boy, I used to know his life when je connaissais sa vie avant. Because in the area you have bad girls, you have bad boys. All of us we sit under a tree and be smoking and be talking. Parce que dans la zone là vous aviez des mauvaises filles, des mauvais garçons. On se trouvait ensemble souvent sous les arbres pour discuter, causer. So when my younger brother, I was staying with my friend. He called me and said, "This was what has happened in the area." Alors mon jeune frère m'a appelé, il m'a dit, voilà ce qui s'est passé dans notre zone là-bas dans la zone. So I was shocked and moved. J'étais choqué, j'ai été touché. It put fear in me. Cela a mis de la peur. Because when you are in this sinful world, you don't think about death. Parce que quand tu es dans ce monde de péché, tu ne penses même pas à la mort. We the youth, we only think about we are young, we have long life to live. So anything we are dead, it's frightening us. Ah, les jeunes gens pensent qu'ils sont jeunes, ils jouent la vie. Et quand ils entendent la mort, très souvent, ils sont effrayés. So I attended a burial service on the 13th of February. Je suis allé à l'enterrement le 13 février.
I like to sit back of the church. Je vais m'asseoir derrière l'église. Because sometimes the way you dress, even the eyes of the people would shine you, you sit behind. Parce que à l'époque, la manière de m'habiller, les yeux des gens même jugeaient, vous préférez vous cacher derrière. So I was sitting there with my younger sister Finda. J'étais assis, l'assise avec ma petite sœur Finda. So when the pastor was preaching on quand the pastor disease, prêchait sur la mort, the pastor said the Lord and said something upon him that this boy is resting in heaven. Il dit quelque chose, il a dit que ce gars-là est au ciel. So I have to say to myself, je me suis dit à moi-même, this boy, I know this boy. Je connais ce garçon. He's a womanizer. C'est un coureur de jupons. He smokes cigarettes. Il fume. He drink alcohol. Il boit de l'alcool. We used to meet in the nightclub. On se trouve souvent en boîte de nuit. If God says this boy is adventure heaven, me too, I'm going to heaven. Si Dieu dit que le jeune garçon là va en tout ciel, moi aussi je vais en tout ciel. Because the pastor said the Lord has spoken that this boy is resting in heaven. Parce que le pasteur disait que le gars là est au ciel. So I come to my younger sister. J'ai dit à ma jeune sœur. I said, have you heard? Je lui ai dit que tu as suivi. You like condemning me. Tu aimes me condamner. You want to say, do you know the Bible more than this pastor? Tu veux dire que je connais la Bible plus que le pasteur là devant? Now the pastor has said, God has just speaking to you. Le pasteur dit que Dieu lui a dit que le monsieur là ira au ciel. Me too, I'm going to heaven. Moi aussi je vais en tout ciel. So I was happy with the preaching. J'étais content de la prédication. Because this is the kind of preaching I like. Parce que j'aimais ce genre de prédication. To feel comfortable in my sin. Pour me sentir à l'aise dans mes péchés. So as I was sitting there happy in my heart. Pendant que j'étais content dans mon cœur. I was praising the pastor. I said, I like this kind of pastor. Je vois le pasteur, disait que voilà un vrai pasteur. Immediately. A thundering voice. Une voix comme le tonnerre. All these years people have said, how the voice of God speak to me. I don't know. I was asking, how God speak. Pendant des années, les gens disaient que Dieu va parler, Dieu me parle. Je me demandais que Dieu parle comment je comprenais. So when I heard the voice, quand j'ai entendu la voix, that you are going to die, que tu vas mourir, I turned back of me. Je me suis retourné. I thought there's somebody that is whispering to me. Parce que quelqu'un était derrière qui me parlait. I did not see nobody. Je n'ai vu personne. I said, it's me talking to myself. Je dis, mais si je me parle à moi-même. No, this is not me. Dis, non, ce n'est pas moi. So I keep quiet. Je suis resté tranquille. And then all of a sudden, soudainement, the voice came again. La voix est revenue. Then you are going to die. Tu vas mourir. So I talked to my sister. J'ai dit à ma soeur. I said, Finda. J'ai dit, Finda. Something is telling me I'm going to die. Quelque chose me dit que je vais mourir. Do you hear anything? Est-ce que tu entends quelque chose? So she was not happy with my dressing. Elle n'était pas contente de mon habillement. Because sometimes if I dress for church, I think I'm going to party. Parce que quand je m'habillais souvent pour l'église, c'était comme si j'allais au bal. So she just looked at me and said, we'll talk about that later. Elle va parler plus tard. But I was sad in the church. Mais je servais à l'église. Even when the pastor keep on preaching, I did not hear well again. En fait, quand j'étais à l'église, j'étais assis là, assis là, pardon. Même quand le pasteur prêchait, je n'entendais plus ce qu'il disait. Fear just come over me now. La peur est soudainement venue sur moi. Nobody will hear the message of death will be happening. Personne ne peut entendre le message sur la mort et il est content. Immediately I start feeling like you have malaria. Subitement, j'ai commencé à sentir comme si j'avais le palud. So even when we are carrying the disease to the cemetery, to go and bury the cadavre, le cadavre, I did not follow them. Je ne les ai pas suivis. I was still sitting. J'étais assis. I leave the church, sit outside the church compound. I sit outside the church. Je suis assis dehors à l'église. And then they carry the disease to the cemetery. Et on a amené le cadavre au cimetière. Because this voice will just come like 5 minutes, it just hit me like this and then move back. Parce que la voix la venait, elle me dit quelque chose et rentre. So when Finda come back. Lorsque Finda est revenu. So why are you sitting so sad? Pourquoi tu es triste? I said this thing, this voice, I don't understand. La voix, là, je comprends rien du tout. So she told me, let's go to the house. J'étais dans toi à la maison. So when we went home, quand on allait à la maison, I went straight into my room. Je suis allé directement dans ma chambre. Because I was like the parent and my younger sister stay in America. We have a house of our own. I own the house. I have my own room. Donc je suis comme nous je dis ça. En fait, j'avais ma propre chambre dans notre maison. Nous, c'était dans des lots, j'étais aux États-Unis. Et moi, j'avais ma chambre dans ma maison. So I went inside my room. Je suis allé dans ma chambre. So after some time. Après un temps, I told her, I said, this voice is still telling me I'm going to die. Dit que je vais mourir. She prayed for me as a sleep. Elle a prié, elle a dit, non, elle a prié pour moi. I went to bed. Ça a mourir. On the 14th of February, le 14 février, which is Valentine's Day, qu'on appelle le jour de la Saint-Valentin. I don't know if Cameroon or Valentine's Day. Yes, of course. La Saint-Valentin. Le jour de l'amour, des amours. So my friend, they call me. Mon ami m'a appelé. Because they know I like party, I like enjoyment. Ça veut dire que j'aime les balles, j'aime les fêtes. So my friend called me and said, I'm making party in my house. Mon ami m'a dit, il y a un bal chez moi, il y a une soirée dans sa chambre. But the way she had me over the phone, I was
me disait, fais, on parle. Et ça, je poussais un cri de joie au téléphone. So when she had me, I was so gone. Elle a senti que j'étais plutôt discrète. She said, ah, why are you coming like you want for the party? Pourquoi tu es discontent? Tu n'es pas content pour le, de la fête. Je décide plus que j'étais à l'intérieur de ce garçon hier. Voix qui me dit que je vais mourir. So my friend laughed. Mon ami a dit. Elle a dit, bien, c'est parce que tu n'es pas, dans le sens. By the time we finish a bottle of whiskey, the voice will vanish. Quand on va siffler une bouteille de whisky, il a terminé, la voile va s'arrêter. And I tell her it's a good idea. J'ai dit, c'est une bonne idée. So I take my bath. J'ai pris, je suis habillé, je suis habillé. I dress and I went over to his. Et nous sommes allés chez elle. So when I reached, everybody was partying, drinking, smoking. Quand je suis arrivé là-bas, tout le monde buvait, dansait. So my friend brought a bottle of whiskey. On avait amené une bouteille de whisky. And was telling me with a gold, with a glass, with a rock inside, a rock inside. Et là, on a amené un verre avec des glaçons à l'intérieur. And he was telling me, by the time you finish this one, everything will vanish. Elle a dit, après un verre, cette voile va disparaître. So as I pour the whiskey inside the cup, pendant que je versais le whisky, I want to carry it and drink. Je voulais prendre le bois. The voice multiplied the voice the other day. La voix s'est plutôt multipliée, elle a augmenté. All my body was shaking. Mon corps a commencé à trembler. My heart was as if it's coming out. Mon corps était comme s'il va s'écrouler. So mon cœur. My friend gave me this one. I was looking as if I'm looking. Et mon ami a remarqué que je le regardais comme si je voyais quelqu'un, je cherchais quelqu'un. So I dropped the cup. J'ai déposé le verre. I rushed outside. Je suis sorti. Want to take taxi and go back home. Je voulais prendre un taxi et rentrer. So my friend went after me. Mon ami m'a suivi. And she said, what happened, Linda? Why are you behaving like this? Pourquoi tu es bizarre? I said, this voice, I'm telling you, people are not hearing me. La voix là, monsieur, vous ne me comprenez pas. So I take a machine to my house. J'ai donc pris la moto pour la maison. So when my younger sister and my brother saw me coming, that was not my time. They know if I go out for enjoyment, I will not even come, I will come late. Mais mon frère savait que quand je rentre comme ça, ce n'était pas l'heure normale parce que je le venais toujours tard. So when they saw me, they said, what happened? Quand ils m'ont vu, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? I started crying, I entered the room. J'ai commencé à prier, je suis dans la chambre. So she prayed for me. Elle a prié. On the 15th of February, le 15 février, I woke up by 6 a.m. in the morning. Je me suis levé vers 6 h du matin. What wake me up, I did not know. Qu'est-ce qui m'a réveillé, je me souviens, je ne savais pas. But when I opened my eyes, I saw myself in my room. Mais quand j'ai ouvert mes yeux, je me suis vu dans ma chambre. I started feeling a pain I've never felt before. J'ai commencé à sentir une douleur que je n'avais jamais ressenti avant. I see they are using knife to cut my life, my throat in the spirit. On prenait un couteau afin de me gorger, couper ma gorge. Every tie was tight for me, I cannot breathe well. Tout semblait si serré, je ne sais pas respirer. And I was okay, I go to bed okay, so only the voice that was confusing me. Je me suis dit pour aller au lit normalement, seule la voix là criait à moi la confusion. So the thought of death first came to my mind, I shouted my younger sister. La pensée de la mort m'envahissait et j'ai ouvert ma bouche, j'ai appelé ma jeune soeur. So when I called my younger sister, Finda. J'ai appelé Finda. She rushed into my room. Elle a couru dans ma chambre. And then she asked me, what happened? Elle m'a demandé, qu'est-ce qui se passe? And I said, pray for me, I'm dying. J'ai dit, pardon, tu me reçois de nouveau. She can see the way I was trying to say something. Elle a vu comment j'essayais de respirer. One of my hands was in my throat and the other was stretching to her for help. Une de mes mains était au niveau de ma gorge et l'autre main était tendue vers elle demandant de l'aide. So she said, okay, leave the bed, calm down. Elle a dit, quitte le lit et viens. So when I want to stand on my leg, quand j'ai voulu me mettre sur mes pieds, I noticed there's no light there again. J'ai constaté qu'il n'y avait pas de vie. I fell down on the ground. Je suis tombé sur le sol. And then she was like, what is going on? Et elle se demandait, qu'est-ce qui se passe? And then it started seeing flush coming out of my mouth. Et la barbe a commencé à sortir de ma bouche. She called our adopted brother, our young brother, come with water. Viens avec de l'eau. So my younger brother rushed with the water in the room. Avec de l'eau dans la chambre. He too, when he saw me, was panicking. Il a vu les têtes dépassées. He said, what is happening? Qu'est-ce qui se passe? And Finda was saying, I don't know. She just said she wants, she's dying. I don't know. Elle dit qu'elle allait mourir. Je ne comprends rien du tout. So sais they pas. Start pouring the water on me, pouring the water on me. Ils ont versé de l'eau sur moi. They pour the water on me, pour the water on me. De l'eau. So I start crying. I start rolling. All you people are watching me. I'm dying. J'ai dit, mes frères, vous me voyez mourir et vous me regardez. So Finda take the phone and call two of our family friends.
Elle a, ma petite soeur a fait le téléphone, elle a appelé deux membres de famille. And when the girls were, they were in the house. Dans la maison. And then Fina said, let's see what is happening. Fina dit, regardez ce qui se passe. I was rolling, I was crying, I'm dying, I'm dying. Je me courais le matin, je criais, je suis en train de mourir. I could go to the toilet as if I want to use the toilet. I went to the toilet, nothing come out. J'ai rappelé, je suis allé aux toilettes quand je voulais uriner, rien n'est sorti. So my younger sister said, ma jeune sœur a dit, Linda, be peaceful, sit down here, let me leave you to Christ. Sois calme, que je te conduise au Seigneur, Linda. Let me pray for you. Je vais prier pour toi. So she sat down. Elle s'est assise. And laid me on her hand like this. Elle m'a mis sur ses bras de cette manière. And she said, elle a dit, say this word after me, Linda. Prie après moi, répète cette prière. Say, Lord Jesus, Seigneur Jésus, come into my heart. Viens dans mon cœur. My mouth was stiff. Ma bouche était fermée. My teeth cramped. Gathered together like this. Mes dents étaient serrées. Elle ne souffrait pas. La bouche ne s'ouvrait pas. They carry spoons, start to fight to open the teeth. Ils ont pris la fourchette pour essayer d'ouvrir mes mâchoires. And Finda was pressing my mouth like this. Pendant ce temps, Finda pressait ma bouche. And I started seeing my sister crying. J'ai vu comment elle pleurait. And she started talking, Linda, please say Jesus. Elle disait, Linda, s'il te plaît, dis Jésus. And I noticed me too, and I don't have the power again to say a word. J'ai constaté qu'il ne pouvait même plus rien dire, il n'y avait plus de force. The only thing that was coming out of my mouth, my eye, was water. Tout ce qui sortait de moi, c'est de l'eau. But I was talking in my heart, what is happening with me? Et je me disais dans mon cœur, mais qu'est-ce qui se passe? So I see the way she was shaking me. La manière que j'ai vu, la manière dont elle me secouait. The way I was feeling, as if they were pressing me, I was weak now. Je sentais comme si on me pressait. I started giving up. J'ai commencé à abandonner. Because the pain was too much for me. La douleur était atroce. So I started weak, I started giving up. J'ai donc commencé à rendre comme rendre la main. My eyes start dimming. Mes yeux semblaient se fermer, devenir sombres. My younger sister take notice as if I'm leaving them. Ma soeur a constaté que j'étais en train de les quitter. So she will shock me like this. Linda, wake up. Réveille-toi. And I started yelling, I said, God, you will not do this to me. Et elle disait, tu vas me faire cela, Seigneur. My parents have died, my grandmother has died. This is my sister, you will not take her now. Mes parents sont morts, tout le monde est mort. Tu vas encore prendre ma soeur maintenant. Say, God, who will take care of me? God, don't do this to me. Tu vas prendre soin de moi, ne fais pas ça, Seigneur. But I cannot say anything to her. Je ne pouvais rien dire. So I came to hear her dim, I came to hear her far off. J'ai commencé à l'entendre comme si la voix s'éloignait. And then I just noticed I take the last breath and the last strength I have to breathe. J'ai constaté que j'ai poussé mon dernier soupir et j'ai lancé mes derniers efforts. And all of a sudden, soudainement, I did not see them again. Je ne les voyais plus. I did not hear them again. Je ne les entendais plus. When my eyes opened now, quand mes yeux s'ouvraient, I saw myself in a strange place. Je me suis trouvé à un endroit étrange. I saw myself in a road. Je me suis retrouvé dans une route. Walking to join the queue of people that I've met there. Je devais rejoindre la queue des gens que j'avais rencontrés là-bas. I was looking left, looking right. Ah, where is this place? Where am I? Je regardais à gauche, alors je me disais, mais où suis-je? I did not know that this is what my soul, because my soul looked like me. Je ne pouvais pas imaginer que c'est mon âme, puisque mon âme était exactement comme moi. And I see other people. I saw some people standing in front of them, all queue like a road, like when you are walk marching. Et j'ai regardé les gens marcher à la queue de l'eau comme une route, comme les gens qui sont au défilé. And I saw these people too, as if they are curious, they are looking like, looking like, then too, I think they are wondering where they are. Et ces gens-là, j'ai compris qu'eux aussi, ils regardaient à gauche à droite, comme s'ils s'interrogeaient, ils se disaient, où sommes-nous ici? So when we keep on walking, I keep on following them in the queue. Et comme moi-même, je les suivais dans le rang. You will not say any other word or whatever. It's not that one you will follow with the people that are going. Tu ne peux rien dire. Toi, tu suis seulement là. And I look at the end of us. Where the road ended, it's like a bridge, like a tunnel, like a cave. The road entered there. Et j'ai regardé devant. Il y avait comme un pont, comme un tunnel. Et là, la route s'arrêtait. So when we keep on going, pendant qu'on continue à marcher, I start feeling heat. J'ai commencé à ressentir. I don't know where the heat is coming from. I'm not seeing sun, I'm not seeing fire. Je ne savais pas d'où venait la chaleur parce que je n'entendais, je ne voyais ni le soleil et je ne voyais pas le feu. Je ne savais pas d'où venait la chaleur. Where the heat is coming from? La chaleur la vient d'où? As we keep on walking again. Pendant qu'on marchait, I start hearing voice of people. J'ai commencé à entendre les voix des gens. So where am I going to? Je fais où? Where are these people crying from? Les gens là, les cris là viennent d'où? When I saw in front of me, c'est quand j'ai regardé devant moi, I was seeing a dark cave entering here. J'ai vu
d'une cave toute noire qui entrait, qui a fait une sortie d'une cave toute noire. So I make up my mind, I say I'm not going there. I don't know where I'm going, and I'm here, voice and the place is too long. J'ai décidé que je ne vais pas là-bas. Je vais ouvrir parce que je ne parle plus. So now I make up my mind to stop the journey to go back. Alors j'ai dit, je m'arrête ici, je ne continue plus. That's the time I notice I don't have power of my own. Là que je constate que je n'ai plus de puissance. I can't control myself. Je peux me contrôler. My mind is telling me stop. Ma pensée me dit arrête-toi. But my leg is walking carrying me. Mais les pieds marchent seuls. As if somebody is under your legs. Comme si quelqu'un est en train de me pousser, de me diriger. I start crying. So what is going on? I can't control myself. C'est grave. Je peux juste commencer à pleurer. Je ne contrôle même pas. Fear comes into me. La crainte, la peur est venue. I say I cannot enter that dark place. Why I can't control myself? Je ne peux pas entrer là-bas. Pourquoi je ne peux pas m'arrêter? I can't. I start saying God help me. Jesus help me. J'ai dit Jésus aide-moi. Jésus aide-moi. Dieu aide-moi. Where am I? Où suis-je? But that was working. The power was carrying me. Mais là, c'est la puissance qui me faisait marcher. So when I saw in front of me, quand j'ai vu devant moi, I had a voice coming out of that dark place. J'ai entendu une voix sortant de cet endroit de ténèbres. When they came out of that dark place, lorsqu'ils sont sortis de cet endroit de ténèbres, giants of demons with horns. Giants of demons. J'ai vu des démons géants avec des cornes. They have tail. Ils avaient des queues. And they have this tartar wing. Et ils avaient des ailes, des grandes ailes. And their face looked like lion. Et les visages ressemblaient à un lion. When I say giant, they are higher than man. Quand je dis les géants, ils sont plus géants que des hommes. And the way they would be staring at you, looking at you like this. Et la manière dont ils te regardaient. And I saw the way anyone that is getting close to them, the way they would grab that person, start dragging the person. Et j'ai vu que tous ceux qui s'approchaient de ces démons-là qui arrivaient à leur niveau, la manière dont ils les attrapaient. After say, oh God, help me, Jesus, you say we never leave me, help me. Et j'ai commencé à dire, pardon, Jésus, aide-moi, tu as dit, je ne vais jamais abandonner, aide-moi. I think I was sleeping or I was dreaming. I started talking in my head, Linda, wake up, what is going on? J'ai pensé que je rêvais, j'ai dit que je suis en train de dormir, j'ai commencé à taper ma tête, j'ai dit, Linda, réveille-toi, c'est le sommeil, réveille-toi, réveille-toi. When I open my eyes, I'll see myself closer to them. Et quand j'ouvre les yeux, je me retrouve face à une année. I start crying, I say, oh God, help me, don't carry me to these people. J'ai dit, hey, Dieu, pardon, aide-moi, ne m'amène pas chez les gens. When I get close to the demon like this, je suis arrivé à côté des démons. It was so high more than me. Le démon était plus géant que moi. He watched me with a terrible look. Il avait un regard terrible dont il m'a lancé. The hatred that the Lord Jesus has said in the Bible that the devil hates us with passion, that is what the devil was looking at me like way. Comme il y a un verset qui dit que le diable hait Jésus d'une manière particulière, c'est cette haine-là qui sortait des yeux du regard du démon. And I start shouting, God help me, Jesus help me. Aide-moi, Jésus, aide-moi. He just dragged me like this. Il m'a attrapé comme ceci. And start dragging me right inside. Et il me traînait à l'intérieur. As we entered a dark place. Et pendant qu'on entrait dans le tunnel, I did not see anything again, total darkness. Je ne voyais plus les ténèbres totales. But the heat was increasing more than fire on earth. Mais la chaleur augmentait, elle était plus forte que le feu sur la terre. I start screaming, leave me alone. J'ai dit, laisse-moi tranquille. Ne même pas. And as he was dragging me, I noticed when you are turning something, we are turning a tunnel, going down like this. Ok, j'ai vu qu'au fur et à mesure qu'on allait, c'était comme un tunnel qui on tournait, au fur et à mesure qu'on tournait, je m'enfonçais. We are going down on the earth, going down. It was turning me like when you are turning somebody to come down. You are turning the person, going down. You can feel the way they were turning you, going down. Un peu comme si on appuyait une vis, n'est-ce pas, à entrer dans un groupe. Puisqu'on me tournait, en fait, moi je servais de vis. On entrait dans les profondeurs de la terre. Je ne faisais que m'enfoncer. And when we reached down, et quand on va arriver en bas, he just dropped me like a dead meat. Et il m'a juste lancé comme une viande morte. When he dropped me, quand il m'a jeté, my eyes opened. Les yeux sont ouverts. I see oceans of fire. J'ai vu les océans de feu. I saw the fire will come up like a mountain like this, high like this, and then will fall down again. J'ai vu les flammes se lever comme des montagnes, un peu comme des vagues, et se rabattre à terre. And I start hearing screams. People are screaming and are smelling bad smell in the place. Et les gens criaient, il y avait des odeurs nauséabondes dans sa place. I start hearing people are saying, Lord, have mercy! Jesus, how is that you take me out of here? This place is terrible. I start crying. I said, God, have mercy on me. Where am I? J'ai entendu les gens crier, Jésus, cet endroit si est terrible. Sors-moi de là, Seigneur, aide-moi, Dieu de moi. Et j'ai commencé à appeler, Seigneur, où suis-je?
I said, Jesus, please show up, some mercy on me. Where am I? The place was terrible. J'ai commencé à dire, Jésus, dites-moi, où suis-je? C'est un endroit terrible. You will hear a scream of somebody who's crying. My God, show me mercy. Vous entendez quelqu'un crier, un cri effrayant. Dieu, aie pitié de moi. I said, Jesus, show me mercy, where am I? Et j'ai dit, Jésus, aie pitié de moi, pardon. Jesus, show me mercy, take me out of this place. Enlève-moi cet endroit si c'est petit de moi. Oh, have mercy on me, oh God. Aie pitié de moi, je t'en supplie. As I was busy crying, pendant que je pleurais, my body was hot and my body was melting. Tout mon corps criait. The heat in the air, I was scared. I said, God, I want to drink, have mercy on me. La chaleur de l'enfer était indescriptible. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi, je t'en supplie. And then the demon came in front of me like this. Le démon est venu devant moi. And then he called my name. Et le démon m'a appelé par mon nom. I said, Linda, you disobedient child. Et il m'a dit, Linda, fille désobéissante, rebelle. You disobey the word of God. Tu as désobéi à la parole de Dieu. On va te torturer aujourd'hui. You people that are disobeying the word of God. Vous les gens qui disobéissent à la parole de Dieu. We know many will not stand. They are coming here. On sait que les autres arrivent. You say you did not believe. Now you will believe. Tu as dit que tu ne crois pas là-bas quand tu es là-bas. Maintenant tu vas croire. And I was still asking, where am I? Je me disais, où suis-je? And then the demon say, you don't know where you are. Le démon dit que tu ne sais pas où tu es. The demon say, you have died. You are in hell. Tu es mort. Maintenant tu es en enfer. Tu es mort. The demon say, Jesus. J'ai dit, Jésus. Merci au Père. Aie pitié de moi. Pitié de moi. Parce que when my other sister would tell me in hell they will kill, they will cut you off, you will not die. Et elle me disait que en enfer si tu vas là-bas tu ne reviens plus, rien, c'est éternel, tu vas plus mourir, tu vas plus revenir. I said, God, have mercy on me, I will stand. En enfer, je ne veux pas. Je disais, Seigneur, aie pitié de moi. The demon told me. Le démon m'a dit, I will torture you here today. Je vais te torturer jusqu'à la fin aujourd'hui. This is hell. Voici l'enfer. You say you do not believe. Je disais que tu ne crois pas à l'enfer. Now I'm going to torture you. Maintenant, je vais te torturer. Saying that you don't believe that it's a sin. Comme tu ne crois pas que c'est le péché. Because other things you know. Parce que les autres choses tu savais. Fornication, lying, you know they are sin. De la fornication, le mensonge, ça veut dire le péché. But other things that brought you here with those other ones that you don't know, I will torture you for that so that you feel the pain. Tout ce que je ne savais pas que tu me disais, tout ce que tu dis que je ne croyais pas en cela, je vais te torturer afin que tu sentes la douleur. Immediately he said that word. Après, immédiatement qu'il a dit cela, I just felt the chain me like this, chain me like this. J'ai seulement senti les chaînes me saisir comme ceci. Where the chain come from, I don't know. D'où étaient venues les chaînes, je ne savais pas. And I noticed I was naked. J'ai constaté que j'étais nu. I was not alone. I said, Jesus, please have mercy on me. J'étais seul, j'ai dit, Jésus, aie pitié. I cannot stand this heat. I cannot stand this heat. Je ne peux supporter cette chaleur. And then the demon laughed. Le démon riait. I said, that righteous man has abandoned you. Et il a dit, le juge là que tu invoques t'a maintenant abandonné. All of you that disobey his word, he's going to abandon you people. Tout ceux qui abandonnent sa parole, il va vous abandonner aussi. And then he said, who told you to cut your hair? Il m'a dit, qui t'a demandé de couper tes cheveux? Who told you to carry the property of our property on your head? Qui t'a dit de porter nos cheveux sur ta tête? Don't you know that we want is our property? We want all these attachments is our property. Ne sais-tu pas que les perruques, ces faux cheveux, si ça nous appartient? Who told you to change the texture? This time we are dying our hair, tinting it. Who qui t'a dit de changer la couleur de tes cheveux? Tu teignes tes cheveux. Who told you to barb your hair like a man? Because I used to barb my hair like a man. Qui t'a dit de te coiffer comme un homme? J'avais souvent des coiffures des hommes. Don't you know the Holy One has told you that your hair is a glory to God? Tu sais pas que la Bible dit que tes cheveux sont la gloire de Dieu? This Bible you are not reading. The demon, they know the Bible more than you. La Bible que vous négligez. Le démon connaît la Bible plus que vous. They will use the Bible to judge you. Ils connaissent la Bible pour vous condamner à l'enfer. And I start crying. I said, nobody told me. Please forgive me. J'ai dit au démon, personne m'a dit pardon et pitié. My pastor did not tell me that you were going to confess. Mon pasteur m'a pas dit. Mon pasteur m'a rien dit. And then you say you did not read it in the Bible. Le démon a dit que tu n'as pas lu ça dans la Bible. Anything make it a lie, we don't enter in that holy place. Tu ne sais pas que tous les menteurs ne trompent pas cet endroit là, c'est la prochaine. Is that here your hair? Is the hair that false hair? Is this your hair? Est-ce que les faux cheveux là étaient des cheveux? How did they call the false hair lie? On appelle les faux cheveux là le mensonge. And anything make lie on your body, we don't enter that holy
kingdom. Et tout ce qui est marchand sur ton corps n'entrera pas au ciel. So when they say you do not hear, nobody told you about faults here. Et quand ils disaient que personne m'a parlé des faux cheveux. You say you do not read it in the Bible. Il dit mais ce n'est pas dans la Bible. I have to lie. I said I did not go to school. C'est là-bas que j'ai rencontré des gens, je ne suis jamais allé à l'école. Please show me mercy, I did not go to school. De moi, je n'étais pas à l'école. And then the demon look at me and say, lie that is part of your sin, you are standing in front of me, and you are lying, and we torture you here today. Il a dit, le mensonge qui était ton péché favori, et devant moi tu mens encore, je vais torturer aujourd'hui. And then the demon said, le démon a dit, the same way when you have an axe, you will go to this place, and we will put it in you and try to design your hair. La même manière que tu étais sur la terre là, et on mettait les choses pour faire des coiffures sur ta tête. This is the same way I will design your hair. C'est la même manière là que je vais dessiner tes cheveux même. And I saw the demon turn like this. Et le démon s'est tourné. He was going to a place like when they put this tree, they display all kind of wicked instrument there. This one. Instrument to torture people. Yes. Instrument. Il a, like knives, scissors, all the scissors. Il s'est trouvé dans un endroit où il y avait comme les gens des instruments tordus, les ciseaux, les couteaux. And the instrument was inside fire, they would put it like it would be hot. Et on chauffait ces instruments-là, les ciseaux, les couteaux, on mettait ça au feu comme ça devenait rouge. And I saw the demon was carrying one of its sharp objects. Et j'ai vu comment le démon a pris l'un de ses objets très tranchant. And he came and he started walking slowly towards me. Et il est venu marcher doucement vers moi. And I started crying. Et je pleurais, je disais, pardon, parce que personne m'a enseigné ces choses-là. Please help me, Seigneur, we don't put it again on my head. Plus jamais, je ne peux jamais mettre les faux cheveux, plus jamais. I will not bite my ear again. Je ne peux plus jamais me défriser, jamais, jamais. I will not bite my ear again, I will not bite my ear again. Je ne peux jamais mettre les cheveux, c'est fini. Show me mercy, amen. Et puis dis-moi pardon. The demon was looking at me, I was coming slowly. Le démon, lui, il avançait doucement vers moi. As he came close to me like this. Pendant qu'il s'approchait de moi. And then he sat it in my head. He sat it in my head. Il a pris ce cet instrument, je l'ai mis sur mes cheveux. He removed it this other side. Et il est descendu de l'autre côté. The demon discovered my head and took all this kind of thing. Le démon a fait de ma tête tout ce qu'il voulait. Il a mis tout ça dans ce moment là. I was crying and no voice from me. Je criais et la voix ne sortait même plus. The pain was walking all over my body. La douleur de la tête est juste allée dans tout le corps. I said, oh God, you say you will never leave me alone. J'ai dit, tu ne vas jamais m'abandonner. Il y en a plusieurs là-bas sur la terre qui mentent. And we know many will come. Et je sais que beaucoup vont venir ici. We are waiting for them. On les attend ici. We are here waiting for them. On les attend ici. All disobedient children to the word of God. Tous ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. We torture you people, you fools. Nous allons vous torturer, vous les fous là ici. The Bible is warning you people, you don't believe. La Bible vous avertit, vous ne croyez pas. We will make you people believe here.
ici en enfer, vous allez croire. You don't believe it. Yeah, you will see it here. Tu ne crois pas en enfer et tu vas voir ici en enfer. And then I start crying. J'ai continué à prier. And then the demon turned again. Le démon s'est tourné. I'm carrying a hot iron. Le démon a pris un fer chaud. And start pressing it on my body. Il a commencé à appuyer cela sur mon corps. The iron will enter into me. Et le fer rouge entrait dans mon corps. I will cry my teeth. Je poussais des cris terribles. As the Bible said, they will gnash their teeth in hell. La Bible dit que les gens vont mâcher les dents en enfer. Là-bas, je mâchais mes dents de douleur. J'ai dit, hé hey, Seigneur, ce corps, je suis en train de souffrir. Seigneur, je n'ai plus personne de pitié de moi. Moi, j'étais seulement dans la mode, comme tout le monde. Si je m'appuyais comme les filles s'appuient là-bas, c'est parce que j'étais ignorant, je ne savais pas. Je ne ferai plus jamais Jésus, s'il te plaît. Quand le démon a fini, il arrive au niveau de ma bouche. Qui t'a demandé de mettre la tomate le rouge? La Bible dit que tu ne dois pas utiliser les mauvaises paroles de ta bouche. C'est pour ça que je te donnais pour dire des bonnes choses. Mais toi, tu utilises cette bouche-là pour boire l'alcool et fumer la cigarette. Ta bouche était pour embrasser, donner des baisers aux hommes, embrasser. Tu as pris ta bouche pour maudire les gens, pourquoi? You will regret today why God gave you mouth. Aujourd'hui, tu vas regretter pourquoi tu t'as donné la bouche. J'ai continué. He said, in the Bible, I've told you people everything. Est-ce que la Bible vous a tout dit? But some of you think that you own the world, you own your life. You don't know your life is in His hand. Mais beaucoup d'entre vous pensent que c'est vous qui tenez votre vie entre vous. Vous oubliez que votre vie est entre ses mains. You don't know you are going to come here soon. Tu ne savais pas que tu allais bientôt être ici. And then he told again. He carried another thing. Il a pris un autre instrument. I saw him carrying the alcohol bottle like this. Il a pris une bouteille d'alcool comme ça. And then he carried the bottle. Il a pris la bouteille d'alcool. I said, drink. This is your water. Et il voici ton eau ici. I said, I don't want to drink anything. Je ne veux pas boire, si tu ne veux pas boire, s'il te plaît. Je me disais, je ne veux jamais boire l'alcool et l'alcool. I will not smoke again. I promise. Plus de cigarettes, s'il te plaît. I will serve God. I will not make this. Je vais servir. Tu ne veux plus jamais désobéir. S'il te plaît, miséricorde. And then the people look at me. Le monde m'a regardé. I said you are a fool. Et il a dit tu étais une insensée. I said no mercy here. Je t'ai dit pourtant qu'il y a pas de problème. And when I command you, you must do here. I rule here. Don't control me here. Ici quand je commande, tu dois faire ici. Personne ne contrôle ici. And then I said give me the bottle. Je lui ai dit donne-moi la bouteille. He told me to drink. Je veux boire. And then I said put the bottle to drink. Quand j'avais pris la bouteille. Forcefully I want to drink because I was thirsty. Je voulais boire, je mangeais avec très soif. No saline on my body. Il n'y avait pas de saline dans mon corps. They put me on a powder where they fry, make a dry fish, rot it in. C'est comme j'étais sur les clés là où on fume le poisson. I'm feeling thirsty, I'm feeling the heat, I'm feeling. J'avais soif, il y avait une grande chaleur. And the demons are touching me. Les démons me tourmentaient une fois de plus. I have to raise up my mouth and say, God, this is too much for me, please. Et j'ai dit, Seigneur, ça c'est trop, aie pitié de moi. God, I beg you, please. Pardon, je t'en supplie, pitié de moi. Le démon dit ici, personne ne commande, bois sa vie. Il a sorti un couteau et il m'a envoyé ça du bon niveau. Il a dit ici, personne ne commande, c'est ce que je te dis, tu dois faire. J'ai pris la bouteille que j'ai vue. Quand j'ai vu la bouteille dans ma bouche, j'ai constaté que j'étais plus de la cire. I dropped it all my mouth like comme si ma bouche était en train de tomber. I noticed that my body was melted like j'ai constaté que mon corps était en train de se. J'ai dit Jésus, c'est quoi ça? Jésus est pitié de moi. Je ne vais plus jamais faire cela. Je te promets, je ne vais plus jamais recommencer. Aie pitié de moi, Jésus. Cette souffrance est terrible. Le démon m'arrêtait encore. All this thing they would do to my body. Tout ce que le démon faisait de mon corps. All of a sudden, I would see me get whole again like this. Après m'avoir déchiré un morceau, mon corps est en labo. Après, il redevient normal que je n'avais jamais eu comme ça. Et je me suis rappelé ce que ma soeur me disait. That place where God called over there eternity, not die again. Je
vous rappelez que c'est souvent que là-bas en enfer, on ne meurt plus. Even if they cut off your head will come and join you. Même quand on coupe ta tête va revenir. All they are going to is for you to feel the pain. Tout ce qu'on fait là-bas, c'est pour que tu souffres. Even if they drop inside the fire, fire will come out of your body if you don't die. Même si on te met dans le feu te consume, mais tu ne meurs pas. And I was laughing at her. So what kind of thing is this? I can somebody they cut the person here, you will not die. Je moquais de ma soeur, je disais que quelle est cette histoire où on peut couper quelqu'un à mon sou, je ne meurs pas. But I saw it for myself. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. That's why the Lord Jesus is begging people. That's why the Lord is begging. C'est pour ça que le Seigneur vous a. You should not go and see it for yourself. Que tu n'ailles pas dans les flammes de l'enfer. All this condemnation and I don't believe in the lie, it's just a normal thing, you will regret it. Ceux qui croient que ce n'est pas la vérité, vous allez le regretter un jour. As I regretted my life. J'ai commencé à regarder des J'ai commencé à regretter pourquoi je n'ai pas écouté mes amis. Pourquoi j'avais des copines? Pourquoi j'avais des copains? I look like nobody to help me. Je regarde personne pour m'aider. I did not see trousers, I did not see money, I did not see nobody, nothing. Je ne voyais personne. And I remember when our pastor sometimes my younger brother, my elder sister, with my younger sister. Je me suis rappelé de ce que ma petite soeur me disait. Que serait-ce là un homme qui a eu le monde entier? Il s'est revenu dans ma tête. The naked. Je voyais comment j'étais nu. All the clothes I was buying is not here. Tous les habits n'existaient plus. All the money I was wasting, on go away, I don't even know. Tout l'argent que j'avais dépensé, ça n'a servi à rien, Seigneur. I gave a lot, nobody to help me. Vous pouvez voir celle ici, personne pour m'aider. All the people I was committing for the game, nobody came and saved me. Tous les gens avec qui je comptais la fornication, personne pour m'aider. None of my friends came and helped me. Aucun ami. Oh God, have mercy on me. Seigneur, aie pitié de moi. Jesus, now I know only you can save me. Maintenant, je sais que tu fais, frère. Please, no, follow you, I will worship you. Maintenant, je vais te servir. I will not fear man, I will not follow man, I will do what you do. Ne fais plus pour ce que les hommes disent, mais ce que toi tu dis. And then the people laugh again. Et les gens encore rient. As I've told you. That righteous man have left you. And then the demon was asking me, why do you have to bleach your skin? To bleach. Pourquoi est-ce que je devais te maquiller, te décaper? You people think that when the Lord says lying, it's only by your word. Even your body, the way you what you put on, is this your clear color? Il m'a dit que quand Dieu dit que le mensonge c'est un péché, vous pensez que seulement les paroles. Quand vous décapez là, vous devenez comme les blancs. C'est votre couleur. You have lied to your skin. Tu trompes ta peau. Tu mens à ta peau. And you think you will go to that holy place? Tu penses que tu vas entrer au ciel? All liars will come here. Tous les menteurs viendront ici. Anything they get false, we don't enter there, we come here. Tout ce qui est faux ne va pas entrer ici. We are the one producing this thing so that we people will defile your body. C'est nous les démons qui faisons les choses afin que vous souillez votre corps. So that God will reject you people. Afin que Dieu vous rejette. But you people don't know, you are calling it fashion, you are enjoying it. Mais vous ne savez pas, vous dites que c'est la mode. Now I've seen where the enjoyment has stopped here. Là, tu vois d'où vient la mode, and then he told me et il m'a dit, that this body that you are making it so sexy and fine. Ce corps là que tu l'as sexy et beau. This is the place where it will end. Et là, t'as fait. And then he told me, the great ocean of fire. On m'a montré un grand océan de feu. Only you will be here now. You will see yourself. Only you will know who you are now. Toi seul sais ce que tu es maintenant. You are going to roast like an animal. Tu vas être brisé comme un animal. As the bleaching profits you now. As the bleaching profits you now. Le maquillage va te sauver maintenant, ça va t'aider ici. You disobedient child. Tu vas avoir un bébé désobéissant. And then he told me again. Il disait pour never long. I said, why were you doing abortion? Il m'a dit, pourquoi tu as voté? Why were you doing fornication? Pourquoi est-ce que tu commettais la fornication? Don't you know that sex is for married people? C'est vrai que je ne sais pas que les relations se sont seulement quand on est marié. When you are not married, you're not supposed to commit sex. Quand tu n'es pas marié, tu ne dois pas avoir les relations. That's why the Lord call it fornication. C'est-à-dire après, tu appelles ça fornication. I start crying again. J'ai commencé à pleurer. And then immediately they jimmy me up like this. Immédiatement, on m'a soulevé. Open one of my legs, and just open the other one like this. Oh my goodness. On a écarté mes jambes. And then the demon said. Le démon a dit. The same way you like it on earth, I will do the same thing to you. La même manière que tu aimais cette pénétration avec les hommes là, je vais te faire la même chose en enfer. This thing I'm telling my people. Ce que je dis. By the grace of God, I will play you a clip here, you will see. Tout
à l'heure, par la grâce de Dieu, vous allez voir un clip ici, un documentaire. If you go over the internet, people that have seen Jesus die and go to hell, there's a Chinese sister that have a testimony before me. All what I'm telling you, how they torture people, she draw it herself. She stay in China. I don't know her, she don't know me, I've not seen her, but the same thing I'm telling you for you to have all this money. Une soeur chinoise qui a eu la même vision, moi je suis Sierra Leonaise, elle est en Chine, mais les mêmes choses que je c'était avant moi, je ne savais pas, les mêmes choses que je décris, c'est ce qu'elle a vu. Et on a écarté les gens. Et le démon a pris une longue flèche. And he came and sat under my leg like this. Le démon est venu se mettre sur mes cuisses. And was looking me like this. Et il me regardait. I said, do you see this thing? Et il m'a dit, tu vois cette chose? The same way you like it, I will do it to you. Comme tu aimais la fornication, c'est ça que je vais faire maintenant. Is that crying as a Jew? J'ai dit, hey, Jésus. Pardon, pardon. Jesus, please don't make you know. Je t'en supplie, je t'en ai pitié. When I j'ai prié et le Seigneur ne m'a pas écouté. J'ai commencé à maudire Dieu. J'ai dit, Jésus, tu es un menteur. Tu m'as menacé ici seul. Tu m'as menti, je ne te l'ai pas fait. Tu m'as donné des noms même qui ne me torturent. Et tu dis que tu m'aimes. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a enfoncé cette langue-là dans mon vagin. Il a arrivé. Mes frères et sœurs, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Vous voyez que la deuxième partie, ici, de ce nuance que vous voyez sur l'écran, c'est grave. Toutes les choses de ce monde, même les vêtements sexy, viennent de l'enfer pour y ramener toutes les personnes qui les portent ou qui les ont portées. Que Dieu nous amène à nous débarrasser de toutes ces choses. La vie, la belle vie que les gens nous montrent, c'est de la blague. Ne vous laissez pas piéger. La deuxième partie arrive bientôt. Soyez prêts.